Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War et nous en sommes à l'épisode 24 et nous étions retournés dans le royaume des morts suite à une course poursuite parce qu'Atreus en avait fait qu'à sa tête et a été emmené. On l'a donc retrouvé, on est parti, on continue notre aventure. Est-ce qu'il y a un petit coffre derrière? Sait-on jamais? Ou pourquoi pas un oiseau, les yeux d'Odin, ça serait plutôt... cool, non, il n'y a rien, il n'y a rien du tout. On est parti, on peut se tirer. J'espère vraiment qu'Atreus va se calmer. C'est ça, elle? Ce n'est pas elle, c'est la pire partie de elle où l'on pouvait tomber. Ah, zone découverte. Je vois un navire. Emmène-nous là-bas. Ce n'est qu'à mi-chemin du temple de Tyr, mais ça nous éloignera d'ici. Pendant plus de 1000 vies, le gardien du pont a empêché les vivants de venir ici. Mais tu lui as arraché le cœur et nous voilà. Quelle étrange coïncidence. Oh, j'ai eu peur. Ah, d'accord, il peut y avoir... Aïe! Bah lui, commence... C'est pas vrai! Commence à me courir sur le haricot, celui-ci, hein. Mais... Mais c'est pas vrai! Faut mourir, Denis! Allez, ça dégage. Ça commence à me casser les couilles. C'est vrai qu'on avait été récupérer les lames du chaos uniquement... pour le royaume des morts. Ce n'était pas moi. Écoute, Atreus, t'as pris le melon. Je vais difficilement pardonner, mais je vais pardonner quand même. Tu es mon fils. Ne redécolle plus comme ça, s'il te plaît. Oui, Atreus. Alors, c'est papa. Je suis de retour. Je t'ai surpris. Il n'y a vraiment rien ici, juste pour un coffre. Ils ont refait une porte pour vraiment les joueurs qui avaient la flemme de refaire le tour. Très bien. Ici, il n'y a rien. On est reparti. Je sais pas du tout ce qui peut se passer. C'est rien les gars, personne n'est tombé dans le panneau. Ça, ça dégage très rapidement. Putain, mais c'est l'âme du chaos incroyable. Ça dégage hein. Oh putain, bien joué à lui. Ok, c'est parti. Ça dégage. Oh, ce loup incroyable aussi hein. Il faut le dire hein. Je vais peut-être même l'améliorer. Quoi? Putain, non, Atreus, tu déconnes. J'avais la flemme d'aller... Allez, on va ramasser quand même. Allez, on est reparti. Oh, regardez en bas. Ah, c'est un vent. C'est un beau vent que nous avons là. Peut-être même le plus beau des vents. C'est parti, on va aller le récupérer. De toute façon, je pense qu'il va falloir descendre très clairement. Ok. C'était moi. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Ne regarde pas, Atreus. C'est ce que j'ai dit à ta mère, juste avant de la prendre. C'était pas moi. J'aurais jamais fait ça. Ne ressasse pas ces pensées. Pas ici. Oui. Nous devons continuer. D'accord. Ah oui, ça te fait revivre un petit peu ton côté obscur. Quand même assez, assez violent tout cela. Très bien, il n'y a rien à faire ici. Est-ce qu'on a... Là, c'est sûr, il y a quelque chose. Là, c'est sûr, il y a quelque chose de cool. Tête, qu'est-ce que c'était? Elheim n'accueille pas que les anciens et les malades. Les criminels aussi. Elle ne doit pas faire la différence entre nous et ceux que ces visions sont censées torturer. Comment arrêter ça? Quitter elle. Aussitôt que possible. Je me laisserai pas perturber. Comme tu l'as dit, Mimir, c'était qu'une illusion. C'était pas moi. Non. Mais c'est celui que tu es devenu dernièrement. On est là par ma faute. Mais je vais arranger ça. Je vais arranger ça. Toi, tu suivras mes ordres. Mais c'est peut-être pas ma nature. Il vaudrait mieux. Laisse-moi me concentrer. Ouais, n'arrange rien, fils, hein, n'arrange rien, parce que là, c'est très compliqué sinon cette situation. J'ai un petit souci, il y a deux vents. Ah, qu'est-ce que c'est? Je voudrais pas te bousculer, mais tu peux faire plus vite. Je dois réfléchir. D'accord. Quelque chose à faire ici. Ok. Je suppose qu'on est sur quelque chose. Ah, yes! On gèle, on récupère, et on envoie de l'autre côté, et les portes sont ouvertes. Très bien!
J'ai été monstrueux. J'ai été monstrueux, c'est vrai qu'ils ont rien pu faire dans ce royaume. Ah ! Waouh ! Ok, c'est pas mal. Regardez. Le bouton, il vous a kiffé. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Allez, c'est pas pignon que Jackie. Oh, c'est beau. Aïe. J'ai voulu esquiver. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Putain, GG à toi. Allez, c'est bon, ça dégage. Commence à me casser les couilles. Oh, on va garder un petit peu de rage. Très très bien. Bien joué, Mister Bébois. Ça a déchiré. Une flamme du chaos pour améliorer encore une fois mes lames. Ça, c'est incroyable. Il fallait donc le tuer. Et on récupère un petit peu de rage. Et on est plutôt très très bien. On va récupérer aussi la vie. Attends, non, revenir en arrière. D'où Jésus. Parce qu'il y a ça à récupérer. Chose très intéressant là-dedans. Quelle est cette sombrerie? On va passer par ici, non? Attendez, il se passe quelque chose de très sombre. C'est pourtant clair! Non, mais là, attendez, on se fout littéralement de... Bougez pas. Ah, d'accord. Très bien. Pourquoi pas? Pourquoi avoir fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, ça dégage. Hein. Je sais pas ce qu'il voulait, lui. Très bien. Pourquoi avoir fait cela si on pouvait pas aller contre le mur? Moi, perso, je serais allé contre. Voilà, j'aurais tenté quelque chose. C'est normal. Attendez. Hop, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas du tout monter encore sur cette pierre. Ah, et là, on retourne à gauche. Ok. Sinon, il voulait pas faire cette action, n'est-ce pas? Je comprends, j'aurais fait pareil. Hop, on va casser, on sait jamais. Voilà, il y a un petit peu d'argent. C'est toujours bon, les gars. 14$. Les gars, c'est 3 kebabs, d'accord. Et c'est 2 kebabs dans le monde des morts. Un peu plus cher. Ok. Là, je vais récupérer clairement l'XP, on s'en fiche. Je vais récupérer ma jauge de rage. Ça me ferait plaisir, sait-on jamais. Je sais pas à quoi s'attendre. Allez. Bien joué à moi, j'ai été le meilleur. Encore une fois, le royaume des morts. On a qu'à bien se tenir. On ramasse. Régale-moi. Quoi? Ouais. Oh, pardon. Je te promets que je voulais pas. Il est mort. Je voulais pas. Je voulais juste me protéger à la base. Attends, je crois que je vois Baldur droit devant. Oh putain. Baldur. Effectivement, il est droit devant. Ah. N'aurais jamais pu le savoir. Écoute. Tu n'avais pas le droit. J'ai tous les droits. Je suis ta mère. Tu n'avais pas le droit, sorcier. Je ne savais rien. Je ne savais rien. Je ne sais même pas la température qui fait ici. Les fils et moi sont des femmes. Tu m'as tout pris. Mais tu n'y prendras jamais plus la douleur. La mort n'a pas d'emprise sur toi. Tu préférerais mourir? Que de ne plus rien sentir. Oui. Oui. Je préférerais mourir. Oui. Libère-moi, mère. Je t'en prie. Je t'en prie, libère-moi. Ça ne marche pas comme ça. Je t'en prie. Mon fils, fais-moi confiance. Plus tard, tu me remercieras. Vas-y. D'accord, donc Baldur ne voulait pas être immortel. Il l'a pas fait.
Ok les gars, va y avoir un bruit hein. Je ne veux plus jamais t'en voir. Plus jamais. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que tu m'as fait. Aya et sa mère. Pourquoi nous l'avoir caché, tête? Si je te disais que ça m'a échappé... Je n'en crois rien. Oh, je suis confus. Je t'assure que je n'ai aucune raison de garder une telle chose secrète. Voilà le bateau. Nous en reparlerons... bientôt. Je suis rien. Ok, très bien. Il a pardonné quand même à sa mère, il aurait préféré la tuer sur le coup. On va récupérer le coffre. Peut-être même une cinématique cachée là-dedans. Sait-on jamais ? Ok, y'a rien. À part un coffre évidemment. Ouais, je m'amuse à récupérer des petits coffres juste à côté de lui les gars. C'est pas grave, il a rien vu, il a rien entendu de toute façon. Il est littéralement con. On a récupéré de l'acier trempé. J'ai hâte d'améliorer quand même mes lames. Du chaos, on va pas se mentir. On se casse. Le bateau est juste ici. J'étais peut-être... Oh yes, full life, ça c'est bon ça. Allez, c'est parti. C'est bon ça. Hop, boum, coup de tête, on n'en parle plus. Hop, oh, ça dégage. J'ai pas le temps. Aïe. Ok. Ok, c'est pas mal. Oh là là, l'arc de mon gamin est surpuissant. J'aurais beaucoup à faire pour voir que je t'aurais tué. Qui c'était? Nous devons faire vite. Ok, attendez, j'ai pas saisi là. J'ai pas vu la tête ou autre. C'était Zeus, non? Mon daron, Eldaronos, il me semble, non? J'ai pas envie de dire n'importe. Ok, on va acheter ça là. Oh putain, on a un coffre. Oh putain, on a un coffre. Je l'ai vu, tu l'as vu, on l'a vu. On va essayer de le récup. Très bien. C'est parti. Si on met trop de temps comme d'hab, on va passer direct à l'endroit qu'il faut. Attends, fils, tu me bloques, frère. Tu fais des blocus. Ok. Peut-être un système de cloche. Attendez. Là, il n'y a rien là-dedans, là. Eh, si, mon pote. Bien sûr qu'il y a quelque chose. J'ai réussi à le louper. Hein. Me demandez pas comment. Très bien, ça c'est fait. Putain, cette musique est tellement stylée. Oh putain. D'accord, saut détruit. 2 sur 3 déjà. On va très très vite. Ah, ça va vite quand on s'amuse. Hein. Ok. Voilà, c'est pas mal ça. Déjà 2 sauts, hein. Et ce n'est que le début. Y a rien là. Sait-on jamais. Ils peuvent être malins. Malin le lynx. Ok, y a rien à faire ici. Il faut clairement monter pour récupérer ce petit coffre. Et je pense que le dernier saut. Ah, il est là. Il est totalement là. Très bien. Et ben voilà. On a été monstrueux les gars, quel plaisir. Quel plaisir et quel bonheur. C'est parti. Peut-être la jauge de rage. Je pense la jauge de rage. Et c'est la jauge de rage. Nickel, regardez-moi cette belle jauge. Regardez, regardez comme elle monte bien. Les gars, clairement on est monstrueux. Jauge de rage qui dure encore. Quoi? Ah.
Mais qu'est-ce que tu fais, Trise? Ok. Attendez, je vais l'aider parce que là, il est pas apte à vouloir tirer. Ça dégage. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Ok. Ah, mais toi, tu te covers carrément derrière un truc de glace. Bien joué à toi. T'as été le meilleur jusqu'ici. On a presque rien pu faire. C'est parti, on peut se casser, les gars. Ah, je suis content. Je suis content. Bon, on peut encore augmenter une dernière fois notre jauge de vie et notre jauge de rage. Je ne suis pas certain qu'il puisse naviguer. Il faudra. Si, crois-moi qu'il va naviguer très rapidement. J'ai besoin d'espace. Ok. On vient de cramer quelque chose. Très bien, ça on casse. Ça on y met le feu. Tu en as assez fait. Oh Kratos, tu me fais rêver, putain. Ok. Là, y a rien à faire. Là, on va garder la vie, hein. Ça sert à rien de l'utiliser. Je pense clairement que ça va nous être bénéfique. Un petit peu plus tard. Bon. Peut-être monter. Non mais ça, ça y a... Ah bah voilà. Y a forcément un mécanisme. Ouais, mais là, il va pas nous laisser tranquille, Baldur. Les gars, je connais bien... Parfait. Mais n'oubliez pas, ce bateau ne peut que nous rapprocher. Le temple de Tyr est au sommet d'une immense chute d'eau et, hélas, nous sommes en bas. Même si nous y arrivons entiers, il nous faudra encore remonter la cascade. Les Van ont construit le plus grand navire qui soit. Ils volent. Qu'est-ce Blasnir? Oui, parce qu'il était conçu pour... Pas celui-ci. Nous n'avons que ce bateau, nous ferons avec. Ok. Ça passe, je connais bien. Ça a été travaillé, ça, aux examens. Sur ce qui doit être le plus grand iceberg que j'ai jamais vu. Au moins, le feu nous réchauffe. Et maintenant? Je m'en occupe, les gars, je m'en occupe. J'ai des pierres de vie un petit peu partout, c'est pas très rassurant. Il va y avoir des petites embrouilles des familles. Ouais, toujours la voile ici, forcément quelque chose à faire. Ça on casse au cas où. Ah, en fait les pierres disparaissent au bout d'un moment. Ok d'accord, très chiant. On va laisser donc le décor. Bah maintenant les gars. J'essaye de ne pas être impatient. Laisse ton père réfléchir. Bon, laisse-moi réfléchir, fils, il a raison. Putain, bah ouais, mais... Il y avait un obstacle juste devant. Allez, ça dégage. Maintenant, les voiles sont libres. Regarde. Admire, fils. Bah ouais, mais en fait, il y avait un petit truc de vie juste à côté. Ça fait qu'on n'a pas pu voir, c'est terrible. Forcément. Tu baisses les voiles. Comment vont-elles pouvoir prendre le vent ? On va s'envoler, petit con. Suis un peu. On flotte. La chaleur des flammes, elle nous fait flotter. Et ouais, réfléchis un peu. Hop, on va keblo ici, hein. Ça va être terrible. Hop. Eh hey, les gars. Comme papa, non maman, si je peux me permettre. Pas pour longtemps, reste sur le bateau. Ok. Incroyable, t'as fait une grande lanterne volante. On a quelque chose de l'autre côté, mais rien à y faire pour l'instant. On est parti. Ouais, j'ai mis un petit peu de temps avant de tilt, hein, je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'on a là? Un coffre, je prends totalement. Peut-être une nouvelle rune. Ah, une belle rune même, à mon avis. Tous les dégâts de brûlure infligés, quoi? Augmente de 25%. Plutôt cool. Genre, en vrai, les gars, c'est une sacrée rune, ça, qu'on a là. Je vais peut-être même la mettre maintenant, les mecs. Hein. Ah! Très faible chance d'obtenir un atout don de défense quand vous subissez des dégâts. Ah oui, mais... Ah, faut me dire quand j'ai des trucs incroyables comme ça.
Bah oui. Mais oui, c'est clair. Ok. On a pas mal de runes vraiment cool. Ok, ça, je sais pas du tout à quoi ça va servir sur le coup. J'ai dit de rester sur le bateau. Ok, ça en prend, c'est un très beau coffre en plus. Fais-moi confiance, fils, tu commences à me gonfler là. Hein. Aïe, 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 tempête d'Icare. Qu'est-ce qu'on a là? Régale-moi. Oh là 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 là, c'est nul. C'est pas ouf, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai pas été hyper impressionné, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ok, on est parti. On se casse. Oh, regardez. Non. On se casse par où par contre avec ces conneries? On se casse par là. Ok. Forcément quelque chose à faire en hauteur. Juste ici, non? Non, pas du tout. Non, il suffit de monter là, aucun problème les mecs. Allez. Les mecs, allez, un petit effort s'il te plaît Kratos. Besoin de me concentrer. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais récupérer. Oh putain, d'où Jésus? D'où Jésus? On va récupérer ceci très rapidement. Parce que ça vaut le coup et ça déchire. Allez, encore un nouveau coffre. Là, les gars, on a pas mal de trucs. Clairement, ça sent la fin, on va pas se mentir. Ok. On est presque au bout. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose de sombre ici, hein. Le bateau est coincé par le pont de ce côté. Ouais, non, mais attends, je veux bien le croire, mais je suis vraiment un beau bours. C'est ça qui bloquait, putain, je suis vraiment un beau bours. Attends-moi là. Je suis vraiment le pire de tous. Oh là là, je suis le pire, les gars, hein. En même temps, ça commence à casser les couilles, cette histoire. Hein. Atreus. Je peux t'aider? Ensemble. Allez, tous ensemble avec Emmanuel. On a réussi. On est libre. On va réussir à sortir d'ici. Affronte-moi, père! Il est temps d'en finir! Quoi? Oui, mon fils. Il est temps. Non. C'est encore cette voix. Est-ce que tu sais qui c'est? Je ne sais pas. Oh, mais quel mytho! C'est mon daron! Les cieux de Helheim. Ok. Iceberg! À bâbord! Accroche-toi! Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et ça c'est fait. Next. Hop, lui, on l'éclate, ça dégage. Il arrange les flammes, à tribord.
Il y en a un qui est perché là-bas, hein. Regardez. Hein. Hop, il s'est plus, il habite le bordel. Hein. Ça dégage. Ah non, il va peut-être aux flammes, ce con. Voilà, ça dégage. J'envoie le lion, le tigre, le loup, tout ce que tu veux. J'envoie tout ce que j'ai, putain. Aïe. Quoi? Qui a acheté l'encre? Quoi? Qui a acheté la deuxième encre? Quelque chose nous bloque, à bâbord. Harpon, je nous détache. Ouais. Aïe. Ça dégage. Aïe. Allez. Ça, ça dégage, j'ai pas le temps pour déconner les gars. Oh, j'ai été un monstre. Hop, j'ai été un monstre. Hop, j'ai été un monstre. Bon, je me prends plus. Aïe. Aïe, ça dégage. Aïe. Ok. On va récupérer la vie. Non. Merde. C'est pas grave. Allez, ça dégage, aucun problème. Aucun putain de problème. On se casse de là les gars et on va pouvoir s'arrêter là pour le record. On sera déjà pas mal. Là ça va venir de l'autre côté, info sûre. Tête, combien de temps avant d'atteindre le temple? Oui, on va geler. Si on parvient à maintenir cette vitesse et que les flammes ne s'éteignent pas, on y sera en un rien de temps. D'accord, que les flammes s'éteignent pas, hein, vous l'aurez compris. Mais il est où? Il est où ce nain? Mais c'est pas vrai! Ouais mais attends, fils, là c'est compliqué cette histoire. Là c'est compliqué cette putain d'histoire. Hop, ça ça dégage. Ça ça dégage. Voilà. Non. Oh, je suis le pire. Ok. Lui casse les couilles. Oh. Arrête. C'est pas vrai. Oh, j'y vais à main nue, hein. Pour sa mère. Oh là là. Bah ouais. Mais... Y'a ceux qui craignent que la hache. Y'a ceux qui craignent que les lames. C'est terrible. Putain, les gars, cassez les couilles là. Vous avez quel âge? On va percuter ce pont. Ça dégage. Allez, mais bouge. Ah bah il est passé par dessus ce con. Le feu est éteint. À tribord. Oh c'est terrible hein. Je suis à deux doigts de tout brûler hein. Ah mais attends fils, là je me fais tout butoquer. Compliqué cette histoire. Oh c'est pas vrai hein. Oh, c'est pas vrai, hein. Oh là 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 là. C'est pas vrai, hein. Aïe. Oh non, putain, les gars. Eh, foutez-moi la paix.
Ah oui, non, bah oui. C'est l'Amérique. Allez. Oh, c'est dur. Aïe! Bien joué à lui. Hop, les sorcières, c'est bidon maintenant. Ça dégage très rapidement. Pas le temps pour ces conneries. Ok, ça c'est pas mal. Allez, on lui éclate la gueule à la sorcière. Ça dégage. Hop, visage de nuque. Aïe! Ok. C'est fait. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Je pense que c'est la dernière. C'est bon, on va arriver. La phase me paraît un peu longue là. Si vous voyez ce que je veux dire. Normalement, ça devrait être fini. On devrait être tranquille. Je pense. Il a quand même dit on n'a rien de temps. Ça commence à faire beaucoup de. Comment le feu reste allumé? Et si je te disais qu'il est magique? Bon, c'est l'âme. Allez, nous y voici, normalement c'est terminé. Le voilà, le temple. Je pense que c'est un temple. Oui, avec un pont comme ça. C'est un très beau temple qu'on a là. Allez, c'est terminé, on peut se reposer les gars. Je pense qu'on va s'arrêter là très clairement. C'est peut-être un prank, attendez. C'était peut-être un prank. Oh mais c'est pas vrai hein. Ça termine jamais hein. Allez, ça dégage. Désolé les gars, je parle pas mais là need maximum of concentration évidemment. Pour toujours plus de plaisir. C'est beau ça. C'est beau ça aussi. C'est beau ça. Ça c'est beau ce joueur. Allez, ça dégage. Oh putain, c'est pas vrai. Bon, allez, jamais 203. Il y en a toujours 3. Hein. Ça marche toujours pas 3. Un coup de bateau s'est fait harponner. Ah. Ça va être compliqué cette histoire encore. Ok. Oh, c'est beau. Oh, c'est bon! Ça va vite! C'est bon! Je suis au maximum de kiff! Matez tout ça! Allez, on va le diriger! Ça, c'est cadeau! On lui ouvre la bouche. Oh, j'ai été bousculé. Du début jusqu'à la fin. Merde, ne marche pas sur la peau. Mais on doit libérer le harpon. Attendez les gars, là les gars, c'est une situation délicate. Oh putain, je peux pas encore. Faut que je me débarrasse de tout. On a été monstrueux là les mecs, hein. Je suis assez fier de moi. Voilà.
Oh là 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 là, cet épisode fondant croquant. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'épisode. Hier, c'est cadeau, c'est moi qui régale. Ne remerciez pas, les gars, ne remerciez pas. Parce que vous plaindre, ça, vous savez faire. Remercier, c'est différent, n'est-ce pas? C'est bon, on peut y aller. Hop, on se débarrasse de l'avant du bateau si ça vous gêne pas. Hein. Ah bah, les gars, c'était en trop, hein. C'était en trop, on va pas se mentir. Hein. Il est temps, mon fils. Regarde tout ce que tu as fait. C'était ça ton idée? Tu parles d'une vous idée? Vous êtes tous les deux malades! Chambre secrète nous d'Odin! Nous ce royaume, maintenant! Si seulement on n'avait pas détruit le chemin du retour. Va s'arrêter là! Trophée obtenu, fantôme du passé, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire! On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était cadeau, 40 minutes de pur plaisir. A très vite tout le monde, prenez soin de vous. Ciao, ciao!